est évident qu'il faut parler de l'histoire aux générations futures, mais il est également plus compliqué de se dire que parfois il ne faut pas parler de tout, que certains points, peut-être anecdotiques, peut-être pas forcément nécessaires, doivent être un peu mis de côté. Certains appellent cela mentir, d'autres appellent cela être lucide, et enfin certains parlent de conspiration, de manipulation des masses, d'une certaine forme de déformation de notre histoire au profit d'une clarté pas toujours nécessaire, mais il est important et évident que nous fassions tous cela, même avec de petites histoires. On ne déforme pas tout non plus, mais on se permet de transformer une base dramatique, parfois proche de cette réalité que nous évoquons, pour simplement mieux coller à une forme de clarté, qui rappelle que l'histoire est avant tout quelque chose dont on s'empare, et non quelque chose que l'on décide de retranscrire mot pour mot. Et pourtant, le cinéma a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois fait cette chose. Et cela semble avoir que rarement choqué, peut-être parce que le cinéma choisit de regarder cette réalité avec assez de fiction pour que cela semble être vrai, sans pour autant être réel. Et c'est ainsi que se pose la semaine de sortie en question ici, comme une semaine chargée d'énormément de choses, d'énormément de points, d'instants, de fragments, qui vont avoir un impact plus ou moins fort sur un groupe de personnages qui va alors être la base d'une histoire plus ou moins proche de la réalité évoquée. Comme quoi, la plupart du temps, choisir de comprendre l'histoire, c'est avant tout choisir de voir dans celle-ci une forme de contemplation nécessaire mais controversée de ce qui servira d'héritage pour un tout à chacun, qui aura ensuite la lourde tâche de faire le même choix que celui fait par des auteurs, comme ici présent. Faisant alors du cinéma un moment de réalité, tout simplement perverti. Mais dans le bon sens du terme, c'est pas que une mauvaise chose au bout du compte. Des combattantes du désert dont le récit est vaguement trafiqué, un tueur en série et un super flic dont l'aventure semble plus trouble que leur place, un lépreux en quête d'une famille accompagné par un jeune garçon qui semble le détourner de la dure réalité du monde, et un parajoutage extrême pour découvrir un envers du décor bien fictionnel, vous avez bien compris, on prend l'histoire, on en garde une base évocatrice, mais pas forcément si importante que cela pour construire autre chose derrière, une forme de cinéma qui revendique sa fiction pour parler de quelque chose de plus fort en son sein, peut-être tout simplement de l'être humain. Un humain tout simplement plus important de l'histoire, car si celle-ci est nécessaire, eh bien lui tout simplement, il en fut le premier héros.